les travaux d'Héraclès. Travailler pour le roi Eurysthée, ça n'a pas dû être facile. Un accès de pitié pour Héraclès. Non, il méritait tout ça. Mais que le roi rajoute les pommes et le cerbère à la liste des 10 travaux initiaux, moi je dis que c'est petit. Le lion de Némée, l'hydre de Lerne, la biche de Sérénie, le sanglier d'Érimante, les écuries d'Augias, les oiseaux du lac Stymphale, le taureau crétois, les juments de Diomède, la ceinture d'Hippolyte, les bœufs de Gérion, les pommes d'or des Hespérides et Cerbère. Le 12e et dernier travail d'Héraclès. Capturer l'horrible animal de compagnie d'Hadès, par ailleurs gardien des enfers, Cerbère. Ah oui, je m'en souviens. Ça a été quelque chose. D'autant qu'il a accompli cet exploit alors qu'il était encore mortel.
Héraclès avait de nombreux défauts humains. Il était irascible. Il trompait sa femme. Il était orgueilleux et vantard. Oh ben non, il avait des qualités aussi. Pour un mortel, tu veux dire? Oui, pour un mortel. Athéna! Oh, bonjour Phénix. Alors, ces tâches de championne? Les héros étaient entêtés et ils avaient leurs défauts, mais ils étaient sûrs d'eux. D'une certaine manière, c'est à leurs défauts qu'ils devaient leur grandeur. Oui, oui, sûrement. C'est très sage ce que tu dis. Il y a quelque chose du côté de ce temple? Non! N'approche pas de ce temple! Rester à l'écart, c'est aussi une leçon sur la sagesse et le destin. Tout quoi. Laisse-moi m'occuper de la sagesse. Retrouve-moi au sanctuaire de Moria quand tu seras prête. Le bâton du temps est à ta portée. Bizarre, non? Vous aussi, vous trouvez que c'était bizarre? Non? Une clé de temple. Et le symbole d'Athéna. Ce doit être ce qu'elle cherchait. Oh, j'ai compris. C'est mon énigme d'héroïne. Elle m'a donné l'indice et a laissé ça ici pour que je le trouve et que je découvre mon chemin. Comme les héros. Bon, vous, pas bouger. Le monde tremble. Tu as besoin de moi.
Si elle voulait éviter d'affronter tous les monstres de l'île, Phénix devrait se rappeler le nombre des travaux d'Héraclès. Allez, une mauvaise réponse! Qu'on se tape un peu, là.
Le prêtre d'Apollon ? Oh, bonjour ! Toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, tu sais bien ! Des prophéties, des professeurs. Oui, j'ai appris des tas de choses depuis ta prophétie, justement. Et j'ai plein de questions. Oh non ! Tout le monde a une question ! J'ai dû en donner un sacré paquet à une petite déesse pour qu'elle me laisse tranquille. Championne ci, et championne ça. Athéna ? Quoi, le chemin des héros ? C'était une prophétie, ça ? Oui, enfin, pas vraiment. Pas comme cette affaire terrifiante avec toi. Mais elle a exigé un plan, tu vois ? Alors, j'en ai inventé un, de plan. Inventé un ? Mais si le chemin des héros ne repose sur rien, comment je vais trouver le bâton du temps ? Ah, parce que c'est ce que tu essaies de faire ? Il n'y a pas de bâton du temps, c'est ça ? C'est moi la championne. C'est censé être ma destinée. Peut-être, oui. Mais les choses arrivent parfois pour des raisons inconnues de nous. Tu comprends ? Peut-être que c'est une fausse prophétie, mais ta vraie destinée. Qui peut le dire ? Un oracle ? Oui, voilà. Bonne chance pour en trouver un. Parfait. Je m'en vais, alors. Alors on se dit à la prochaine. Il y en aura une ? Franchement, je n'en sais rien. Tu as cru que le bâton du temps existait ? Je t'ai eu, Prométhée. En fait, c'est toi qui t'es fait berner. Comment cela se pourrait-il ? Puisque c'est moi qui raconte l'histoire de sa révélation. Parce que je me suis servi du bâton du temps pour le faire disparaître de l'histoire. Bon, elle fait quoi, Phénix ? Athéna a fait de nombreux cadeaux aux mortels. Ceci venait lui rendre la pareille dans son temple. Athéna ! Par les dieux, non ! Elle s'est fait dévorer !
Il ne mordrait mieux pas. Enfin, quelque chose qui a du sens. Les mortels ne servent pas à grand-chose, mais j'aime bien les cadeaux. Où sont mes sacrifices? Athéna, oh, tu n'as rien. Pourquoi tu as un couteau? Pour faire de toi la championne. Les énigmes des héros ne t'ont rien appris ou quoi? Ils ont tous connu l'échec. Et c'est ça qui les a rendus meilleurs et plus forts. Alors on va passer directement à cette étape. L'étape où ils sont tous devenus des spectres? D'après la prophétie, ma championne doit ressembler aux héros d'autrefois pour invoquer le bâton du temps. Et ces héros sont tous des spectres. Athéna, attends! Cet oracle est un imposteur. On t'a dupé à l'aide d'une fausse prophétie. Non! La prophétie est vraie. Il a dit que le bâton permettrait... On va être grande et forte et se servir du bâton pour remonter le temps. Mais comment, Athéna? Typhon va nous altérer. Et ensuite, on deviendra ses esclaves. Il n'y a pas de bâton. Je sais plus quoi faire. Depuis qu'il m'a transformée, je n'arrive plus à réfléchir. La prophétie au moins. Nous devons croire en toi. Tu es la déesse de la sagesse. En matière de stratégie, tout le monde se tourne vers toi. Est-ce vraiment ton chemin? Que t'ont dit les autres? Je sais pas. Zeus me disait tout le temps ce que je devais faire. C'est bien vrai, ça. On forme une belle équipe. Et c'est pour ça qu'elle m'aime. Mais tu ne l'écoutais pas toujours. Tu n'es pas idiote. Elle a du culot, cette mortelle. Athéna, pour battre Typhon, il nous faut un jugement solide. Pas une brindille magique, du solide, comme ce temple. Mon temple! Oh, je pourrais me servir de son pouvoir pour ouvrir l'endroit où est mon essence. Mais il faut d'abord le purifier. Je doute que ça en vaille la peine. Ce temple est comme toi. Plein de gloire, mais... amoindri. Te moque pas de moi, en plus! Mais non! Je vais te montrer ce que je veux dire. D'abord, il faut restaurer ton temple. Bah, pourquoi? Parce que je suis entêtée. Comme tu l'étais. Attends! Prends ma bénédiction. J'allais te l'offrir de toute manière. Pour faire de toi un meilleur, tu sais, spectre. Bonne chance, Phoenix. Pas besoin de chance. La sagesse est de notre côté.